Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite de notre carrière. Aujourd'hui sur WRC8, j'espère que vous allez bien. Direction le Portugal, avant tout séance de repos, un challenge constructeur pour Hyundai. Voilà, histoire de changer un petit peu, de ne pas piloter toujours que la Ford, hein. Ça fait toujours du bien. Et ensuite, on passera au rallye du jour. Allez, côté R&D, on va prendre l'adhérence pneu asphalte, une meilleure distribution du poids sur les suspensions. En configuration asphalte, permet d'accroître le grip de tous les types de pneus asphalte sec. Donc c'est pareil, hein, c'est plutôt intéressant. On va prendre ça. Allez, bien sûr. On est au niveau 50, mine de rien, je ne sais pas si on va encore pouvoir gagner des points pendant cette carrière. Parce que, bah oui, c'est l'XP hein, qui fait qu'on gagne des améliorations. Donc peut-être maintenant qu'on est au max, on verra bien. Ensuite, niveau objectif, ça aussi je voulais vous le montrer. Objectif, donc obtenir 30 000 $ en 4 semaines. Je pense que ça peut se faire, hein. Il me semble qu'on va gagner ça rien qu'avec le rallye du Portugal. Hein, parce qu'on gagne maintenant beaucoup, que nous sommes en WRC. Gestion d'équipe, on va juste virer totalement l'équipe. Alors attention, pas virer, placer dans la réserve. Voilà, je ne refais pas la même erreur que l'autre fois. Hein. On va retirer également les deux atouts et on va reconstituer tout ça. Alors déjà, bon, séance de repos, voilà, on démarre l'événement, pas besoin de reformer l'équipe, on la reformera ensuite pour l'event. Alors, on est parti, voyons voir ce qu'on a. Logiquement, ça s'est bien reposé, hein, si tout va bien. Alors, on a une belle équipe, hein, mine de rien, on a bien recruté. C'est vrai que je pourrais en renvoyer certains, mine de rien, qui me servent à pas grand-chose. Donc là, par exemple, je pense qu'on peut renvoyer ceci, on va faire un peu le ménage. Allez, on va faire un petit peu le ménage, les amis. Il faut qu'on maintienne, non? Comment on fait pour envoyer les membres? Je ne sais pas, même en maintenant la touche, ça ne fonctionne pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va prendre celui-ci. Ensuite, côté agent, nous allons prendre Sierra, très bien. On n'a toujours pas d'ingénieur. Est-ce qu'on peut en recruter? Il n'y a pas d'ingé, hein. Eh, mais franchement, c'est la Hesse. Incroyable. Alors, météorologue, ok. Le kiné, zbam. On n'a que deux hein, de kiné, attention. Hein. Et un seul directeur financier. C'est quand même assez chaud. Voilà, donc l'équipe est constituée, j'ai toujours pas d'ingénieur, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Allez, bah écoutez, on passe au rallye du jour, on démarre l'événement, et remarquez que là, pas le rallye du jour, l'événement challenge constructeur du moins, et après le rallye bien sûr. Battez le chrono dans une voiture imposée. C'est un parcours qui a l'air court, hein, 2,12 km, très très bien. Et bah écoute, on y va, c'est parti, on lance la spéciale. C'est qu'on va le faire en vue externe, histoire de changer un petit peu. Hop, c'est parti, on y va. Par contre, vue externe, s'il vous plaît, la première, hein, la plus proche. Oh, elle est tellement stylée. La Hyundai, hey, sérieux, elle est belle. Hein. J'aurais aimé franchement être dans leur équipe, hein. Sans deck. Alors j'aime bien Ford, hein, mais c'est vrai que Hyundai, j'aurais peut-être encore préféré, je pense. Et imagine, ils proposent un contrat à la fin de cette épreuve. C'est pas impossible, hein, parce qu'il me semble qu'on nous propose un contrat à la fin du challenge, si on le réussit. Évidemment, hein, ça coule de source. Et je me demande si on peut tout simplement passer dans l'autre, dans une autre écurie, mais continuer dans la même saison, en fait, que ça nous recommence pas une saison. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Allez, premier secteur en vert, ça commence très très bien, tout va bien pour le pilote français. Avec la Hyundai, apparemment la voiture lui convient parfaitement. Je te le fais pas lire. Oula, par contre, là je suis monté un petit peu sur le rebord. C'est pas grand chose, hein. C'est pas ça qui va nous coûter l'épreuve, je ne pense pas. Quoique, on sait pas, hein. Peut-être que on est à une demi-seconde voilà, de la voiture qui roule à côté. Donc, méfiance, on fait ce qu'on peut de toute manière. Allez, nous sommes à mi-parcours. Et toujours un secteur en vert, donc je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Ah, suffit de le dire, hein, tu vois, pour faire un petit peu n'importe quoi. Elle va bien, hein, la Hyundai, hein, franchement. On entend vachement, tu vois, quand il y a des dégâts, on entend vachement le bruit de la mécanique aussi. De la voiture, le bruit des pièces. Truc de fou. Ok, beau drift. On continue comme ça, on est en Italie, il me semble, là, en Sardaigne. Hein. De toute façon, on va reconnu le drapeau, je confonds. Eh, on dirait du bleu-blanc-rouge. Bah non, c'est du bleu-blanc-rouge, là, le drapeau qui avait au milieu. Il me semble, hein, c'était pas du... bleu, blanc, vert. L'Italie, quoi. Allez, c'est le dernier secteur. Je pense qu'on va le réussir. Hein. Voilà, vu le début, vu comme ça s'est bien passé. Ce virage, il est un peu plus serré, il est un peu plus chiant. Sinon, le reste du parcours est cool et pas si compliqué que ça, et pas si ardu. Bon, encore une fois, sur n'importe quel parcours, on peut se foutre en l'air. Après, il y en a qui sont plus tordus que d'autres. Hein. Je me souviens de l'Argentine. Ouais, tu pouvais partir facilement. Hein. Ok, allez, fin du challenge. Est-ce qu'on est tout bon? Dis-moi tout. Je pense qu'on a gagné, hein. Ouais, on a gagné à 6 secondes de Hot Tanak, 7 secondes 4 de Sébastien Ogier. Après, on a Lapi, Evans, Lop qui a 12 secondes, quasiment 13. C'est énorme. Ok, donc on a gagné le challenge, je suis content. On ne gagne plus d'XP, hein, je vous rappelle. Et par contre, pourquoi on perd 3 en morale? Ah, peut-être parce qu'on... Ah ouais, peut-être parce qu'on a piloté pour une autre écurie. C'est pas impossible. Peut-être qu'on nous le fait payer. Et pourquoi mon moral perso descend? Ça ne correspond pas, en fait, ça ne veut rien dire. Parce que moi, je suis content d'essayer une autre voiture, tu vois. Ça paraît logique si j'ai des opportunités ailleurs. Alors, est-ce qu'on me propose de me faire transférer dans l'écurie Hyundai? Franchement, je suis curieux de voir. Parce que si on peut passer chez l'ennemi
chez Hyundai, qui sont en plus la première écurie. Mais oui, monsieur. Alors, un nouvel objectif d'écurie, d'accord. Terminer 5e au mieux au classement général de chaque rallye afin d'obtenir des récompenses supplémentaires. Alors, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux partir chez Hyundai. En fait, quand on fait ce challenge, on peut y aller. Mais est-ce qu'on va pas redémarrer une saison? Moi, c'est la question que je me pose. J'ai quand même envie d'accepter pour changer d'écurie, tu vois, j'ai envie de changer. Alors, on est en pleine saison, ça fait un peu bizarre, mais on peut le faire dans Formule 1 aussi, ça. On va accepter. Terminer la saison en cours. Ah bah non, et recommencer au début de la saison dans la catégorie sélectionnée. Ah bah non, du coup. Non, je refuse. Voilà, j'ai pas envie de recommencer, hein. Vous continuerez votre saison actuelle et ce constructeur ne pourra pas vous proposer des contrats avant plusieurs semaines. Ouais, ok. Non, d'accord, je voulais voir, mais effectivement, je voulais, comme dans Formule 1, tu vois, en fait, la saison ne recommence pas, donc c'est un peu mal foutu, je trouve. En même temps, ça aurait été un petit peu de l'arnaque, parce que, pourquoi je voulais faire ça? Je veux pas vous mentir, hein. Je voulais faire ça parce que, au niveau des constructeurs, du classement, regardez. Alors moi je suis deuxième, j'espère que je vais pouvoir repasser devant avant la fin de saison. Mes classements constructeurs, Hyundai, ils sont vraiment tout en haut. Donc je me suis dit, j'espère qu'on va revenir premier au classement pilote. Mais si en plus je peux être dans la voiture qui est largement au-dessus en niveau constructeur, bah écoute, pourquoi se gêner? Mais non, vu qu'on doit recommencer une saison, c'est pas cool. Alors, ne pas utiliser de pneus tendres durant deux rallyes. D'accord. Moi ce qui m'inquiète vraiment pour aujourd'hui, pour ce rallye du Portugal, vous le voyez, c'est la jauge de dégâts de la voiture. La voiture est vraiment pas en bon état et je ne sais pas comment ça va se passer. Je suppose que c'est un peu pareil pour les autres, hein, parce qu'on n'a pas eu de séance de maintenance au milieu. Et là, on a encore, regardez, deux courses qui vont être très très longues. Donc ça fait peur. Ne pas utiliser de pneus tendres durant deux rallyes. Ah ouais, en plus. Bon, Pierre, vous savez quoi? L'objectif, on s'en fout, hein, limite. Hein, parce que là, on va perdre énormément si on fait ça. Est-ce que l'objectif vaut vraiment le coup? 9 000 $, ouais. On a plein d'argent, l'XP on s'en fout, par contre on gagne une réputation constructeur. Franchement, je pense que ça vaut pas le coup. Hein. Mais j'ai quand même envie de réussir l'objectif. Je pense qu'on va passer en pneu dur. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on passe en pneu dur. En pneu terre dur. Allez, on lance la journée. Franchement, je me sacrifie pour réussir l'objectif. Comme ça au moins ça rajoute un petit challenge supplémentaire. Allez, deux courses par journée. On va dire que le début est plutôt court et plutôt classique. Hein. 5 km 39, c'est plutôt une spéciale qui est courte. Mais après, on le sait très bien. Ah, par contre, sous la pluie. Par contre, après, on le sait très bien, on aura forcément deux courses minimum qui seront très longues. Allez, on est parti. On commence avec un temps de chien. Génial. Donc ouais, je voulais quand même piloter une autre voiture aujourd'hui, tu vois, histoire de changer. Donc je suis content de l'avoir fait avec la Hyundai. Et je voulais potentiellement changer d'écurie. Mais j'espérais justement qu'on reste... Eh ben, on va passer en vue capot. J'espérais qu'on reste véritablement dans la même saison ou quoi? Eh ben, pas du tout. Voilà, donc pour tous ceux qui se posaient la question, je me doute que certains se la posaient, j'ai failli partir là, ça commence bien. Pour ceux qui se la posaient, vous avez la réponse. On recommence à chaque fois une saison, hein, lorsqu'on réussit un challenge constructeur et qu'on se tannait dans une autre écurie. Du coup, c'est un petit peu relou. Alors là, il faut éviter un maximum les dégâts et c'est quelque chose qui va être vraiment compliqué parce qu'elle est déjà pas en super état, on n'a pas pu vraiment la remettre comme il faut. On n'a pas eu de séance de maintenance, donc ça fait un peu flipper. Ah, carrément. Mais bon, j'ose espérer que les autres voitures ont eu le droit au même traitement. J'espère que les autres voitures, de leur côté, n'ont pas eu de séance de maintenance. Sinon, ce serait dégueulasse. Allez. Bon, on est en rouge. Pour commencer, c'est pas étonnant. Maintenant, à prendre les pneus terre dure, voilà quoi. J'ai envie de te dire, c'est compliqué. Hein. Et il y a des flaques partout, là. Hein. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait le rallye du Portugal? Non, il me semble qu'on l'avait déjà fait. Hein. Pourquoi il y a des drapeaux italiens là? Espagnol, oui, mais il y a un petit peu de tout, c'est les supporters de chaque pays. Eh, bleu, blanc, rouge, il est où? Je l'ai pas vu. Je suis pas content là. Ah, on l'a vu sur la course d'avant, sur le challenge constructeur avec la Hyundai. Elle était très jolie hein, la voiture, sans déconner. Alors j'aime beaucoup la forme, mais c'est vrai que la Hyundai, ouais, je trouve qu'elle a un truc en plus. Et elle est pas un peu plus longue? Il me semble, hein. T'en as une, t'as l'impression que c'est une Clio et l'autre c'est une berline. Ah, je te jure. Allez, secteur envers, ça veut dire qu'on récupère un petit peu. En tout cas, sachez-le, je fais ce que je peux, comme d'habitude. Alors, je suis content parce qu'on a gagné le dernier rallye. On est maintenant deuxième, à 2 points à peine de Thierry Neuville. Ah merde, je pensais que c'était à gauche, en fait c'était à droite. Retour sur l'asphalte. Et alors, j'ai eu un commentaire assez intéressant de quelqu'un qui a dit quelque chose quand même que j'avais déjà dit au début. Mais bon, je comprends, après vous pouvez louper quelques éléments quand je parle dans les vidéos où je parle tellement. Et quelqu'un qui a relevé le fait que... ça me correspondait moins en fait WRC que Formule 1. En fait, c'est pas que ça me correspond moins, parce qu'il a dit ça te correspond moins parce que
en fait, tu ne peux pas entendre le copilote et tout. Et voilà, mais ça correspond moins à tout le monde, en fait, parce que commenter un jeu de rallye en direct, c'est un exercice très compliqué, parce que justement, on n'entend pas le copilote, c'est pas super pour la concentration, et voilà. Donc ouais, ça me correspond moins, mais ça correspond moins à tout le monde, en fait. C'est pour ça que tu vois si peu de carrière sur ce jeu, et sur AWRC, les jeux de rallye en général, sur YouTube. Ou alors qu'en direct, ils le font en différé, tu vois, ils commentent après avoir enregistré leur gameplay. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, je m'ennuie quand je dois faire ça. Autant j'ai de la facilité à commenter un gameplay quand je suis en direct, autant quand je suis en différé, je me fais chier. Je le dis franchement, je me fais chier, c'est pas mon truc. Je pourrais le faire pour des compétitions, allez, pour du foot peut-être, parce que tu peux t'appuyer sur des par rapport aux joueurs. Enfin, remarque, tu peux le faire pour le rallye aussi, tu peux dire quelques anecdotes et tout, mais ouais, je pense que ça m'embêterait assez rapidement, tu vois, au bout d'un moment, j'aurais vraiment plus rien à dire. Allez, très bien, 3 secteurs en vert, ça veut dire qu'on s'est un petit peu récupéré, c'est encourageant, ça veut dire qu'on est passé premier même. Eh oui, parce que 2 secteurs en vert à la suite, de 1, ça veut dire que tu rattrapes, et si t'en as un deuxième, ça veut dire que t'es passé devant, c'est la confirmation. Donc là, on est pas trop mal. Allez, mettez-moi une grosse ligne droite, là, s'il vous plaît. Alors, pas d'erreur, parce que franchement, on est bien revenu. Attention, le saut, le public est juste à côté. Ah, je peux te dire que s'il y a un carambolage, je rentre direct dans les gens, ça peut faire mal. C'est bon. Eh ben, franchement, on a bien géré. Je pense qu'on a plutôt bien géré. Résultat, nous sommes premiers. Ouh, par contre, c'est chaud, hein. C'est assez serré avec Ottanak, avec Oji également. Thierry Neuville à peine à 2 secondes 8. Et par contre, il y a une grosse différence par rapport au 5ème à plus de 7 secondes. Ok, bon, pour l'instant, rien n'est gagné du tout, mais ça démarre correctement. Voilà, on peut encore y croire. Allez, deuxième spécial, Viana do Castelo. 5,40 km, plutôt courte hein, également. Hein. De toute façon, tant que c'est moins de 7-8 km, c'est quand même assez court. Les plus courtes, vous savez, c'est des circuits, là, comme le challenge qu'on a pu faire avant. Ça fait quoi, 2-3 km? Ça, c'est vraiment tout petit, quoi. Je les adore, en plus. Allez, bon, il pleut toujours, hein. Et pourtant, on me disait qu'au Portugal, il faisait toujours beau soleil et tout, quoi. Je suis un peu déçu, là. Allez, on lance la spéciale, et ce sera pluvieux pendant toute la course. Et c'est parti. Allons-y. Bon, franchement, pour l'instant, tout va bien, mais on n'est pas large. Hein. Est-ce que c'est dû au fait qu'on est en pneu terre dure? On aurait peut-être été plus rapide avec les tendres. Mais encore une fois, j'essaie de réussir tous les objectifs. Hein. Attends, mais c'est pas en plus sur plusieurs rallyes? Attends, je crois que c'est sur 2 rallyes qu'il faut pas utiliser les pneus tendres. Alors que justement, dans les, tu vois, dans les performances de la voiture, tu améliores la configuration justement par rapport aux pneus terre tendres. Asphalte tendre et tout, donc c'est un petit peu con, quoi. C'est un petit peu con par rapport aux améliorations. Enfin bon, c'est quand même intéressant de se mettre un petit défi en plus, quoi. Oh, attention, j'ai failli sortir et me prendre l'arbre sur le côté gauche latéral de ma voiture. Alors, on commence toujours et encore avec un secteur rouge. Pour ne pas changer. Attends, on kiffe le rouge, hein. Au début de chaque spécial, on a le rouge, c'est le temps de se mettre dedans, hein, je pense. On aura peut-être un avantage avec ces pneus, parce que du coup, bah, ils durent plus longtemps et ils sont moins usés en fin de course. Ça peut faire la différence. C'est pour ça qu'au début, on est comme ça, quoi. On est en rouge. Mais au fur et à mesure, ça nous avantage. Bon, là, c'est vrai que typiquement, c'est une journée où on aurait dû être en tendre, hein, parce que c'est que des spéciales courtes. Mais voilà, c'est l'objectif qui veut ça et j'essaie de tout réussir au mieux. Allez, on est déjà passé en vert, impeccable. Donc là, on commence à rattraper. Ah, il faut dire que le Portugal, ça m'a pas l'air d'être le plus compliqué. Hein. Alors, je le rappelle, mais on peut toujours faire des conneries dans chaque rallye. Mais je sais pas, les routes là sont moins difficiles, je trouve, que certains autres. Ouais, il suffit de le dire pour avoir. pour ne plus avoir de barrière à l'extérieur du virage, ça m'inquiète. Non, il faut que j'arrête de dire que c'est plus facile parce que quand je dis ça, après, le jeu me fait un coup de sarce. Donc, Galax, tais-toi. Surtout, tais-toi, c'est le plus important parce que plus tu parles, plus c'est pire. Allez. En tout cas, c'est très joli. C'est bien que ce soit joli, mais il faut que ce soit praticable. Il y a des flaques partout, donc on confirme, on est passé devant. Allez, c'est bien la réaccélération là. On gère un peu mieux quand même, hein, je trouve. Hein. Je sais pas si c'est que moi, mais. Ouais, je trouve qu'on gère un peu mieux. Après, ça dépend des fois. Certaines journées, on est mieux réveillé que d'autres. Hein. C'est pas faux.
Et alors j'ai remarqué que la série marchait un petit peu moins. Bon, je pense que c'est dû au fait qu'à côté, il y a FIFA qui marche très fort. Et donc maintenant, vous êtes à fond sur FIFA. Et puis surtout, voilà, les vidéos du runner. Je pense que certains se sont un petit peu lassés. En même temps, je vais pas diviser le format par deux. Hein. Hors de question. Hein. Moi, j'aime bien ce format. Ça fait un rallye par vidéo, on avance plus vite. Ah, on est repassé en rouge. Hein, pourquoi? Parce que j'ai passé un virage qui est un petit peu lent. Il suffit de pas grand chose, on l'a vu sur la première, ça joue à une seconde. Hein. Une à deux secondes. Forcément, un virage mal passé, ça fait la différence. Allez, putain, ça monte. Par contre, j'aime pas quand je vois la suite de la route. Quoi. Ça, c'est immonde. Hyper dangereux. Attention, pas de sortie, pas de sortie. Le pire serait d'avoir une pénalité. Ben, finalement, en faisant ça, on est très bien passé en fait. En prenant ce petit risque. Waouh, attention. Waouh, j'ai redressé la situation là parce que c'était assez complexe. Je pense qu'on a bien terminé avec le dernier secteur. Je sais pas si on est premier par contre. Non, on est deuxième. Waouh, c'est pas passé loin mon cher Seb. Hein. Eh ouais, je suis entre les deux Seb d'ailleurs. Par contre, le bon point, c'est que Tanak est à 6 secondes 658. Tu vois, c'est pas toujours les mêmes qui sont proches. Ça va peut-être se jouer entre les Français aujourd'hui. 2 secondes 002 hein, pour Thierry Neuville. On est donc toujours Prums, mais c'est Sébastien Ogier, voilà, qui est maintenant deuxième, qui est très proche de nous à 1 seconde 581. Thierry Neuville, 487. Et Tanak, par contre, il se fait un petit peu distancer, hein, plus de 8 secondes. Intéressant. Allez, on va pouvoir réparer la voiture et on passera à la seconde journée. Deux spéciales qui étaient courtes hein, au début. Hein. Là, nous avons la première ES qui ne fait que 10 km 93. Ça va. 3,34 hein, pour la première, c'est une triple S, donc une très très courte. On va... Alors, attention, faut pas se mettre en pneu tendre. Hein. Je le répète, on va se remettre en dur. Automatique. Alors là, très peu hein, de réparation, vu qu'on a fait très peu de dégâts. Et tant mieux, parce que regarde la jauge de la voiture, quoi, en bas à droite. Mon Dieu. Je confirme les réparations. Choix des pneus. Tu passes en dur, monsieur. Bah oui, parce que c'est l'objectif. Hein. Rappelons-le, objectif. Ne pas utiliser de pneus tendres durant deux rallyes. Voilà. Allez. On lance la journée. Deux rallyes, ouais. Donc, Portugal, après, je sais plus de quel rallye il s'agit. En tout cas, il nous en reste encore quelques-uns, hein, des rallyes, donc quelques vidéos. Et puis après, on pourra passer à Grid, qui sort le mois prochain. Par contre, Grid, je ne sais pas si je ferai une carrière, parce que j'ai vu un petit peu la tronche de la carrière. Ça fait penser, en quelque sorte, à un Forza Motorsport. Allez, ça veut dire des épreuves voilà, qui s'enchaînent. Je sais pas si ça va être vraiment bon. Après, peut-être que je vais me prendre au jeu. Par contre, j'ai vu qu'il y avait, ils avaient Fernando Alonso. Donc, il y aura des courses avec lui, apparemment. Plutôt intéressant. Ils ont les droits, donc c'est plutôt cool, on verra. Ah ouais, épreuve triple S, ça c'est le kiff total à chaque fois. Épreuve très très courte. Ah, ils ont raison d'être une épreuve courte et juste après une épreuve très longue. Mais toujours super humide hein, au Portugal. Hein. J'ai l'impression qu'on va se faire tout le rallye comme ça. C'est fou. Allez, gauche 300 mètres. T'inquiète, je gère la fougère. Pour l'instant, je pense qu'on est pas trop mal, on est prudent aussi quand même. Hein. Voilà, bien sûr, on le sait, les pneus tardures, ça n'aide pas. Ah, waouh! Waouh! Tellement bien passé là ce virage. Par contre, elle est devant moi, c'est normal. Je pense que ça n'a aucun rapport. Ah, la sortie! Aïe, aïe, aïe. On vient vite sur la piste, gros. Pas d'erreur comme ça, s'il te plaît. Ça va coûter cher. Ça m'inquiète parce que j'ai une voiture qui passait devant moi, mais voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire grand chose. On n'a pas exactement le même parcours, je pense. Enfin, si, pas fait pareil. Faudra mention, on a un parcours, mais. Enfin, bref, on se comprend de l'autre côté. Putain, je m'arrête carrément là. Faut jamais faire ça parce qu'on perd un temps de ouf. Ça ne m'étonnerait pas d'avoir le secteur en rouge là. On n'a pas fait aussi bien que le premier. Et là, pareil. Oh là. Et ouais, ce parcours, on l'avait déjà fait, mais par contre, c'était pas mouillé. Hein. Souvenez-vous. Ah, si, secteur en vert, ça va. Aïe! Ma carrosserie! J'ai dit qu'il fallait pas taper! Au minimum! Allez, sous le tunnel, sous le pont, du moins, pardon. Sur gravier. Impeccable. Prends un petit peu large. Allez, le petit drift des familles. Je sais pas si c'était forcément la meilleure idée, mais ça passe bien. Je vous rappelle qu'on peut regarder derrière. On saurait que la Ford est jolie aussi. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû prendre effectivement plus à l'intérieur. On a perdu un temps de dingue aussi. Aïe! Oh pardon! Je n'aime pas la technologie. Je défonce les appareils. Incroyable.
Oh, ok, bon, je pense qu'on est, plutôt tranquille là, même si on s'arrête limite. Non, non, bah non, si on s'arrête, c'est mort. On se comprend quoi. On peut faire une petite escale, une petite pause limite et ça passe. Oh là, oh là, oh là. Surtout pas de pénalité, hein. Ce serait quand même con hein, sur une piste comme ça qui est assez fermée en plus. Ce serait honteux, comme dirait l'autre. Ok, là c'est mieux géré. Et je pense que c'est gagné, les amis. On va vérifier ça. Mais je pense que ça le fait. Stylé. Ouais, on est premier à 7 secondes. Ouh là, là, on a fait une grosse différence hein, sur cette épreuve triple S. Et pourtant, on était en pneu terre dure. 7,329 de Sébastien Ogier. 9 secondes de Tanak. Neuville est à 10 secondes 500. Ça, c'est génial. Par contre, ça rassure un petit peu. On est à 8 secondes de Ogier. Ben voilà, je pense que là, ça va un peu mieux. On améliore aussi au fur et à mesure à la voiture. C'est ça qui fait aussi qu'on s'en sort de mieux en mieux. Allez, 96% de terre, 4% asphalte. Par contre, un truc qui est dommage, tu vois, c'est condition de victoire, c'est toujours atteigner la plus haute place possible au classement. Je trouve que le jeu va pas assez loin, parce que là, on est clairement dans le dernier palier du mode carrière, hein, on est dans la première division. Donc, moi, j'aurais apprécié avoir d'autres objectifs de course, parce qu'on a, tu vois, des objectifs, on nous impose des choses dans le jeu Formule 1. Là, on nous impose que dalle. Alors oui, t'as l'objectif de saison qui te dit qu'il faut être dans les 5 premiers, mais c'est pas suffisant. Alors là, on commence sous la pluie, il y a apparemment ciel dégagé en fin de course. Ça, c'est bien. Allez, c'est parti. Alors, 10 km des bois, 10,93, un truc comme ça. C'est beaucoup, mais c'est plus petit voilà, que ce qu'on a fait dans les derniers rallyes. Donc ça devrait aller. Oh, tout le public est là pour m'applaudir. Ah, le drapeau italien. Ce qu'on remarque beaucoup, hein, souvent. Par contre, le drapeau français, il se fait rare hein, sur les bords de piste. Sur les bords de chemin, du moins. Dommage, ça. Je suis quand même premier, actuellement, les gars. Hein. Largement, ou plus, hein. 8 secondes devant, je crois. Ou plus. 8 ou plus. Je sais même plus. En tout cas, on a bien de l'avance. Ouais, on est toujours en pneu terre dure. Oui, parce que, du coup, on n'est pas passé. Hein. C'est la suite de la journée. Allez, secteur en rouge. Est-ce que ça vous étonne? On commence toujours en rouge, hein, au début. Hein. Pas de soucis. C'est normal. Ah. Par contre, pour l'instant, pas de pénalité, ça fait très plaisir. C'est là qu'on voit aussi que le rallye est peut-être un peu plus simple que les derniers qu'on ait fait. Et tant mieux. Non, mais franchement, si j'ai pas une seule pénalité aujourd'hui... Ah ouais, mais je sais pas ce que je fais, mais c'est incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un rallye sans pénalité, en vrai. Au début, il me semble que je réussissais à pas avoir forcément une pénalité. Et encore, je suis même pas sûr. Là, si aujourd'hui on n'en a pas, on a zéro, c'est une performance énormissime. Alors, on m'a dit aussi de relâcher l'accélérateur sur les sauts, comme ça, au moins la voiture va moins loin en fait. Et c'est vrai que c'est. Toutes ces techniques là, alors si en tout cas le jeu est réaliste, hein, évidemment, mais toutes ces techniques là, il faut les savoir, mine de rien, quand tu le sais pas. Mais ça aide, je pense. Allez, reflets sont. Très joli aussi, hein, sur la route, là. C'est ça aussi, quand la piste est mouillée, c'est tellement classe. Allez, on est repassé en vert au niveau du secteur, c'est cool. Allez, tourne à gauche, relance vite. Allez, maintenant, faut confirmer, parce qu'on rattrape du temps. Faut confirmer. On va essayer d'être premier. Également, cette course, façon, voilà. La plus haute place possible, hein, comme dit le jeu. Évidemment. Donc, la première place. C'est ce qu'on vise à chaque course. Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. Donc ouais, à votre avis, est-ce que la deuxième longue course aujourd'hui va être de 10 km et des brouettes ou est-ce qu'elle va être de 20 km comme d'autres rallyes? Parce que peut-être que là, c'est qu'une mise en bouche. On verra. Ok, là, j'ai bien fait de freiner là, moi je te le dis. Hein. J'allais me prendre le talus, laisse tomber. Ok, bon. On est premier du coup. Hein. On est repassé devant, ça fait plaisir. Finalement, en configuration terre dure, au niveau des pneus, ça passe bien. Hein. Ouais, ça passe très très bien. Un drapeau français! Merci! On l'a vu sur la gauche de la route. La gauche du chemin. Très sympa. Ils ont pu apprécier mon arrivée. C'est beau. Ouais, c'est beaucoup plus rapide quand même qu'une course de 20 km. Hein. Et en plus, si on a des lignes droites comme ça, là, on peut vraiment rouler, quoi. C'est plaisant, hein. Vraiment. Ultra plaisant. J'aime bien faire la mitraillette aussi en dégommant les trucs sur les côtés. tu vois, le soleil revient en force. Ça, c'est cool. Pas trop de risques, hein, parce que là, en plus, on est devant.
droite 6. Non, mais je trouve, ouais, qu'il y a moins de danger que les derniers rallyes qu'on a fait, non? Vraiment. Bon, en même temps, si j'ai pas de pénalité, c'est que oui, il y a moins de virages un petit peu enfoirés, parce que c'est vrai que les virages, parfois, ils te poussent à la faute, hein. Attention, sous le pont. Ouais, c'était fin. Ah ouais. Ah, on me dit attention, 30 mètres, attention. Quand j'entends attention, et moi je fais attention. Très bien passé, très très bien passé. Douche en rouge. Comment ça? C'est pas vrai. Là j'étais sûr d'être bien pourtant, hein. Franchement on fait pas de conneries et tout. Ah la déception. On va voir qu'on a le secteur rouge. Et on est au-delà de la mi-course là. Ça avance bien. Pas de soucis. Ouais, je pense qu'en fait, que hormis les deux courses longues, le reste en fait est très court. C'est ça le délire. Ah! Et du coup, j'ai bien fait, tu vois, de faire un challenge constructeur histoire de piloter une autre bagnole. Parce que comme ça, voilà, ça aura proposé une autre expérience. Parce qu'être toujours avec la Ford, c'est vrai que c'est un peu toujours pareil. Et c'est toujours sympa de faire autre chose, de varier les épreuves. Ah, mine de rien, il reste pas non plus 50 000 vidéos sur le jeu. Hein. Ouais, parce qu'on termine la saison en espérant être champion, c'est pas gagné, d'ailleurs. Ah, on rattrape du temps. Ah ouais, là on a bien piloté, quoi, oh. Ah, du soleil, quel plaisir. Attention, faut freiner. Aïe, le rocher à gauche. Je me suis pris, je viens de voir. Pas gentil. Je devrais rester un peu plus au milieu parce que là, parfois, je suis pas loin de me prendre le côté. J'ai trop freiné. En fait, tu vois, je commente mes conneries en direct. C'est ça le truc. Mes erreurs. C'est là que tu remarques que j'en fais pas mal. À mon avis, on va repasser en rouge là. Attention. Parce que tu vois, quand l'arrière s'embarque, sort du chemin, c'est dur de le récupérer. Là, par exemple, regarde. Voilà. Là, on a contrôlé, on est resté serein parce que c'était pas gagné. Et ça, c'est le problème que je ne reste pas suffisamment au centre du truc, au centre de la route. C'est un gros souci. Il faut être prudent, j'ai l'impression, sous ce secteur-là. Ah, ok. Waouh. Yeah, baby. C'est bien, cette portion-là. Enfin, c'est plus mouillé. Enfin, on peut y aller à fond. Enfin, à fond. Non, pas trop. Chaque fois que je dis que j'y vais à fond, je freine après. C'est quand même plus facile. Le virage. Ouh, failli me bouffer le poteau, mon gars. Laisse tomber. Comme j'ai failli me le manger, celui-ci. Incroyable. Et on est repassé en rouge, ouais. Ça, c'est à cause de... Ah non, ça doit être très serré, là. Hein. Bah, je pense qu'on est à... 1 à 2 secondes, pas plus, hein, du premier, là. C'est vraiment ultra serré. Et je remarque qu'une seconde d'inattention fait qu'on repasse derrière. Je vous le dis. C'est incroyable. Une seconde d'attentisme. Ça fait mal. Ah, j'ai le soleil en pleine poire. Petite erreur, mais c'est rien du tout. Donc pas de pénalité encore une fois pour cette spéciale pour l'instant. Ah, la fin de la piste me rappelle ce qu'on a fait avant. Sauf qu'on l'avait fait avant sous la pluie dans des conditions différentes. Ouais, c'est la même arrivée. C'est la même arrivée. J'aurais pas dû freiner sur la fin là. On est combien? On a gagné. Mais comment ça? Mais attends, mais comment ça se fait? Mais c'est illogique. Mais c'est totalement illogique, on est d'accord. Pourquoi j'ai eu des secteurs en rouge? Mais pourquoi? Donc tu veux dire que j'ai eu des secteurs vraiment dégueulasses alors? Ou alors sur la fin on a tout cassé? Mais je sais pas. Ou alors c'est eux qui ont fait une bêtise? J'en sais rien. Eh bah écoutez, on est large devant du coup maintenant à 23 secondes de Ogier, 28 de Tanak, 29 de Thierry Neuville qui est notre adversaire principal. Eh oui. Allez, on continue, on passe maintenant à la prochaine journée, il me semble, dernière journée. Eh oui. Du coup on va pouvoir réparer. Alors, eh ben on dirait la même, amarante. Mais non, il peut pas nous mettre la même, hein. Mais sûrement que... Mais ça a même duré. C'est étrange ça. Et après donc, Faith Rivers, 5,41 km. C'est un rallye qui sera un peu plus rapide que les autres. Et on enchaîne vachement bien. Alors 4 minutes de réparation. C'est ouf hein, franchement. Attends. Ah zut. Confirmé. Oui. Voilà, quelques réparations. Et la jauge est quasiment à zéro au niveau de la voiture. C'est incroyable. Alors on me sélectionne terre dure. Ça m'arrange. Allez, on y va. On lance la dernière journée de ce rallye du Portugal qui pour l'instant se passe à merveille. Je ne vois pas
ce qui me ferait perdre ce rallye. Ciel dégagé, nuageux, ciel dégagé. Donc ça, c'est bien. En soirée, hein. En tout cas, si mon météorologue est bon. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air correct par rapport à ce qu'il m'a indiqué. Oh, c'est joli, hein. Eh ben allez, on y va. Là, je retrouve le vrai Portugal. Le beau temps, sec. Et c'est parti. On y va. Je me demande si c'était pas mieux quand la piste était humide, en fait. On se sentait bien, hein. Moi, je trouve qu'on était bon. De toute façon, on est bon sur le mouillé, sur le sec, sur la neige, partout. Hein. Je suis un vrai boss, hein. Attendez, futur champion du monde, hein. Un vrai crack. Non mais aujourd'hui, je suis bien réveillé, tu vois. Ça compte aussi. J'ai bien dormi. Forcément. Et vous m'aidez à bien dormir, hein, vu que vous êtes super présent sur la chaîne, ça motive. Hein. Ça motive à dormir. LOL. Non, c'est vrai que quand tout va bien dans son boulot, quand tout va bien dans sa vie, ça motive un peu plus et on est mieux mentalement, quoi. Donc on dort plus facilement. C'est un constat, les gars, c'est un constat. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Allez. Oh, c'est le terrain vert. Incroyable. Alors là, franchement, qui l'eût cru? Plus tu cru? Incroyable. On commence avec un secteur en vert. C'est fou. Et alors, ouais. Donc, je disais, même si les vidéos marchent un petit peu moins qu'au début, hein, même beaucoup moins, c'est normal. Parce que déjà, WRC, c'est moins populaire que Formule 1. Ça, il faut le dire. Déjà, premièrement, même s'il y a beaucoup de fans, hein, de WRC, mais moins que la Formule 1. Quoi qu'on en dise, je pense, en tout cas sur YouTube, c'est sûr. Voilà, sur YouTube, la Formule 1 fait toujours beaucoup plus de vues chez n'importe qui que le WRC. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le fait que je commente par-dessus le copilote, ça agace certains et je peux totalement le comprendre. C'est pour ça que j'ai averti dès la première vidéo, voilà, si ça vous dérange, ne regardez pas. Parce que voilà, je sais que c'est un petit peu relou. Pour les aficionados de rallye, peut-être que c'est un peu chiant de ne pas pouvoir écouter tranquillement le copilote et que je parle tout le temps parfois pour dire de la merde aussi, c'est vrai, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je comprends totalement votre point de vue et il y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pour ça que s'il y a pas trop de vues sur cette fin de carrière, eh ben je comprends, c'est normal, c'est pas grave. Voilà, je le fais pour ceux qui aiment bien et qui continuent à regarder, tout simplement. Voilà, on fait pas toujours. Il faut bien y penser à ça aussi. On fait pas toujours tout pour les statistiques, les gars. On fait pas toujours tout pour les vues. Sinon, on fait plus rien. Bah ouais. Je suis une chaîne multigaming, donc faut que je présente un petit peu tout. Parfois, il y a des jeux qui vont marcher, il y en a qui vont beaucoup marcher. C'est pas grave. Ah ! On présente pour un maximum de gens, en fait. C'est ça le but. Eh, on est bien, là, on a les trois secteurs en vert, oh. Incroyable. Mais attendez, c'est la petite course, ça, non ? Ou c'est la grande ? Bah, attendez, j'ai l'impression que c'est la ES. Mais comme elle va vite. Ouais. Ah, j'ai l'impression qu'on est hyper bien, ouais, qu'on est hyper rapide. Ah, ça va, pas de pénalité. Ah, c'est la seule erreur depuis le début, hein. Enfin, grosse erreur, on se comprend, parce que bon, j'ai fait plein de petites. Et c'est la seule grosse erreur depuis le début, on va dire. On a perdu quelques secondes là-dessus, mais pas de pénalité, parce que ça c'est le pire, hein. Vraiment, prendre 9 secondes, ça fait très mal. Wow. Et donc, pour l'instant, toujours pas de pénalité. Eh oui, secteur en rouge. Non, pourquoi? On se demande pourquoi. Ah, la sortie, quoi. J'ai fait un tout droit. Hein. Là, c'était un virage un peu piégeux. Voilà, des virages comme ça, dans les spéciales d'avant, que chi, hein. Il n'y avait pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'état de la voiture et tout, en plus. Hein. Je sais même pas si on a touché un arbre de plein fouet. Non, franchement, c'est bien passé. Ouh, le panneau, par contre, ça fait chier, ça. Ça a bien tapé, j'ai senti la vibration. Ouais, elle est un peu plus... Oh là là! Reviens vite. Ça va. Ah, il est un peu plus compliqué, là, ce tracé, hein. Alors, est-ce que c'est la concentration aussi qui diminue, vu qu'on arrive à la fin du rallye? Ça fait plus d'une demi-heure qu'on est dessus. Peut-être que c'est ça aussi, mais... Le parcours m'a l'air un peu plus traître. Hein. Ça fait deux sorties, hein. Deux sorties de route, hein. C'est pas cool. Mais bon, ça va, je pense que pour autant, c'est pas ça qui va nous faire perdre le rallye. Loin de là, vu qu'à chaque fois, on sauve la mise, on n'est pas pénalisé. Je pense que ça va, c'est pas trop méchant. Mais on risque de perdre quand même quelques secondes. Hein. Mais vu l'avance qu'on avait, bon, ça devrait aller. Allez, essaye de revenir sur ces petites routes.
Eh ouais, mais toujours des drapeaux italiens, quoi, alors qu'on est au Portugal, y a aucun respect, oh. On veut le drapeau portugais, on le voit très peu d'ailleurs, non? Est-ce qu'il y a des gros pilotes de WRC portugais aussi? Je sais pas, hein. C'est une bonne question. Allez, on récupère un petit peu de temps, là on est en vert. C'est très bien. Continue comme ça, Galaxus nous fait plaisir. Ah, peut-être qu'ils ont pas réussi à réparer leur voiture correctement. C'est pour ça que j'étais plus rapide sur le début de course, parce que c'est étrange que je sois plus rapide sur le début de course avec... Bon, les pneus terdus, là, c'est normal, tout le monde... Ah mais oui, mais justement, là, peut-être que tout le monde est en pneus terdus. Faut aller où? C'est bien à droite. Putain, j'avais pas écouté, les gars. J'avais pas écouté du tout, j'avais vu que... Enfin, j'ai vu que la route à gauche était ouverte. Eh, j'aurais pu me tromper, hein. Mon instinct m'a dit, va à droite. Alors, peut-être que mon esprit glisse ailleurs. Lol. Non, peut-être que mon esprit, que mon cerveau a entendu à un moment... À mon oreille a entendu le mec dire à droite. Inconsciemment, je me suis dit que c'est à droite, mais j'étais vraiment pas sûr. On est repassé en rouge. On ne gagnera pas cette spéciale, hein, c'est quasiment sûr. Mais est-ce que c'est obligatoire de la remporter? La réponse est non, les amis. Maintenant, il faut assurer. Plus aucun risque. Toute la voiture a besoin d'une grosse maintenance. Il nous restera un petit secteur et demi. Ah mais les autres voitures devaient être mal aussi, hein. S'ils ont fait quelques dégâts de plus que moi, parce qu'on a eu très peu de dégâts, hein, dans les courses d'avant. Je pense que c'est ça qui fait qu'on était bien dès le début, finalement. Voilà, un petit peu trop à l'intérieur quand même, on va pas se mentir. On est repassé en vert, donc on rattrape un petit peu de temps dans l'avant-dernier secteur. Oh, très bien passé là. Il me semble que c'est le pareil, c'est dans les secteurs de la course d'avant, non? Il semble reconnaître. Que je dis une connerie. Il me semble bien. Allez, dernier secteur. Ok, sous le pont. Ah, le soleil là qui est un petit peu gênant. Même si bon, ça passe quand même parce que ça dure pas longtemps. Il n'y a pas longtemps en pleine face. Attention. Ok. Let's go, ligne droite. Wow, attention. Ah, réception. Réception. Ouais, on connaît, hein, cette parcelle-là. Voilà, c'est bien passé, ça. Allez, on termine très très bien, je pense, la spéciale. Alors, on a gagné. Non, à 7 secondes de OJ, mais on maîtrise tellement ce rallye du Portugal, les gars. Terrible. 8 secondes de Tanak, 12 secondes 3 de Thierry Neuville. Eh ben voilà, 31 secondes de OJ. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Allez, on passe à la dernière course, ultime course de ce rallye. Du Portugal, Faith Rivers, 5,41 km, 91% terre, 9% asphalte, ciel dégagé, mais par contre on est de nuit. Ok, et nuageux pour finir dans la dernière portion de la spéciale. Et bah allez, c'est parti, on passe tout ça, on lance la dernière course du jour. Et c'est parti. Pas de pénalité bien sûr sur le départ. Et là on va encore une fois avoir énormément d'avance, c'est incroyable. C'est incroyable l'avance qu'on va avoir. Et tant mieux. Alors, faudrait que je teste d'accélérer en saut. En fait, je relâche tout le temps, il me semble, la touche d'accélération quand je fais un saut. Enfin, sur les grands sauts. Après, sur les petits, peut-être que j'oublie. Sur les grands sauts, effectivement. En général, je retire mon doigt. Alors, de nuit, souvent, l'IA est avantagée, j'ai remarqué. J'ai l'impression que l'IA ne fait pas la différence entre le jour et la nuit. Alors que nous, bah forcément, on est un petit peu handicapé, quoi, visuellement. Et tu vois, on est en rouge, voilà. Ouais, je sais pas quoi en penser. Je pense qu'on est quand même désavantagé par rapport à l'IA de nuit, quoi. J'ai pas vraiment de doute sur ça. Oh non! 9 secondes de pénalité, mais quel con! Attends, c'était une toute petite sortie de piste en plus, c'était pas grand-chose! Bah heureusement que j'ai 28 secondes d'avance, bro, hein! Putain, heureusement, hein! Bon alors, on va éviter quand même de se sentir vainqueur direct, hein, parce que ça c'est une erreur fatale. Surtout sur un parcours de nuit qui est très piégeux, enfin qui peut l'être en tout cas, et une IA qui est beaucoup plus forte que nous, pour le coup. Bon ça va, parce que la pénalité là, on l'a prise, mais à part ça, on n'a pas perdu plus de temps. Ah yes, en plus on les rattrape, c'est cool là. Ça rassure un peu. Oh là 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 là, j'ai failli me retrouver sur deux roues, mon pote. J'ai failli me retrouver sur deux roues, voire sur le toit. C'était pas impossible.
Allez. En tout cas, pour les fans de rallye, pour ceux qui aiment bien voir des jeux de voitures, ben vous êtes servis avec, avec cette série parce qu'elle est longue, il y a du contenu, c'est très cool, il y a un petit peu de gestion d'équipe. Enfin, franchement, moi j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien récupérer un ingé hein, avant la fin de saison quand même. Putain, mais c'est la grève des ingénieurs ou comment ça se passe? Il va falloir que j'appelle mon beau-frère. Hey, s'il te plaît, viens, j'ai plus d'ingé. Énorme. Terrible. Ok. Hop là. Alors moi je suis loin de pouvoir faire ingénieur, hein. Je ne suis que youtubeur. Je lui dis souvent, je lui dis, ah mais moi je fais des vidéos, tu sais, ça me va très bien. C'est pas exactement la même chose. Mais attention, je trouve que c'est quand même, c'est pas un travail difficile si tu veux, mais c'est un petit peu, faut avoir une fibre artistique si j'ose dire, tu vois. Le mec qui vient de parler d'artistique. Alors qu'il est, il fait des vidéos totalement classiques de let's play. Oh, j'en rigole. Allez, secteur en vert, on est repassé devant apparemment. Tu vois, quand on discute, on fait pas de conneries. C'est ce que j'ai remarqué. Ah, mais de nuit, moi je freine, tu vois, je mets des coups de patin. Parce que je vois pas la suite de la route, ça m'inquiète. Et le pire reste la pénalité. Bah franchement, on a géré un niveau, hein. Niveau état de voiture, côté dégâts et tout. Non, franchement, là, on était très bon aujourd'hui. On a fait deux petites sorties de piste dans la même course. Hein. Ah! Wow! Oh, 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 oh. Ah là, on a géré la crise. Hein. Je te le dis. Hein. On termine troisième. Bon, il faut dire qu'on a eu la pénalité. Sinon, on avait gagné avec 6 secondes d'avance. Ouais. Eh ben écoutez, je pense que c'est la win. Aujourd'hui à 32 secondes de Otanak, 38 de Ogier Tireneuville. Oh là, on l'a mis très très loin, quasiment à 40 secondes. Quelle victoire du pilote français aujourd'hui qui monte encore une fois sur le podium. Magnifique. En fait, on a eu qu'une seule fois le bug de la voiture qui était de travers. Hein. C'était fou ça. Eh ben je suis content. Rallye qui fut un peu plus court. Hein. Ah ouais, ça fait un peu plus de 40 minutes de vidéo. Ouais, ça en fera 45 maxi à la fin. Ok, non, c'était rapide, hein, franchement. Ça va mieux parce que quand tu vois un rallye qui dure 1h05, c'est terrible. Hein. Enfin, c'est vrai que globalement, je trouve que la durée des autres rallyes était trop longue. Et les prochains seront sûrement longs aussi. Hein. Allez, on repasse premier, les amis. Et oui, devant Otanak, devant Thierry Neuville, on est à 152 points. Neuville qui recule de 2 places, mine de rien. Et ouais, bon, à 1 point du deuxième, mais quand même. Ogier qui est à 131 points avec sa Citroën. Donc voilà, pour l'instant, ça va se jouer. De toute façon, encore entre les 4 premiers, hein, vu que ça reste très serré. Mais c'est vrai que là, on prend un avantage considérable de 9 points sur Tanak et de 10 points donc, sur le Belge. Allez, je suis content. On va récupérer beaucoup de gains, 56 000 donc le maxi. Je vous rappelle qu'il fallait gagner 30 000, hein, c'était l'objectif. Et on est à 0 au niveau de l'état de la voiture, c'est énorme. Plus 3 au moral, vu qu'on avait baissé de 3 effectivement. Terminé 5e ou mieux, ça c'est fait. Tu me donnes de l'argent, merci beaucoup. Je vais finir millionnaire. Impeccable, on gagne 2 mécanos. Mais les ingés, ils n'existent plus. Les ingés, on ne les voit plus. Ils sont morts. Je comprends pas. Ils font grève. C'est bizarre. Bref, bah, beau rallye. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je trouve qu'on a très bien géré. Et que finalement, il était un peu plus facile, ce rallye du Portugal, que les derniers qu'on ait pu faire depuis quelques jours. Voilà, c'est assez fou la différence de difficulté, je trouve. Vraiment, mais c'est pas vraiment par rapport au tracé, pour le coup. Allez, bah, écoutez, amis, on a eu un petit mail. Ah oui, on a plein de mails, attends. Ah mais, ça fait un moment que je ne les ai pas lus, en fait. Citroën s'intéresse à vous. De course, on est impressionné. Ouais, Hyundai s'intéresse à vous, ok. À propos du prochain rallye. En fait, ouais, quand ils te disent ça, Hyundai et tout, je pense que c'est par rapport au challenge qu'ils vont te proposer après. Nous te communiquons les dernières informations concernant le prochain rallye, le rallye de Sardaigne. Ah ouais, d'accord, je suis carrément en retard. Citroën s'intéresse à vous. Ouais, parce que tout le monde s'intéresse à moi, en fait. Parce que je suis trop fort. Coup de réparation, on va les payer. Citroën s'intéresse à vous, Hyundai s'intéresse à vous. Ah ouais, mais tout le monde s'intéresse à moi, c'est magnifique. Regardez, côté stats, au niveau de la réputation. Ah bah oui, tu m'étonnes, on est à 100 partout. Tout le monde me kiffe. Bah vu les résultats, ouais, c'est normal. Hein. Calendrier, donc la prochaine fois, ce sera justement le rallye d'Italie de Sardaigne. J'espère en tout cas qu'on s'éclatera bien et qu'il n'y aura pas des courses à durée folle. Même si bon, je pense que ça va revenir. Il nous reste, alors regardez au niveau des rallyes, il nous reste 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 rallyes. Voilà, donc 7 vidéos à faire ensemble. Ça fait beaucoup, hein. C'est loin d'être fini. Mais on va bien s'éclater. Merci à tous, les amis, d'avoir suivi cette vidéo sur WRC8. Juste, est-ce qu'on aura une...
Ah, ouf, une séance de maths de maintenance, parce que là, l'état de voiture, elle est à zéro. On est obligé de la faire. Et là, on va avoir des challenges constructeurs de partout, hein, Citroën, tout ça, tout ça. Mais bon, d'abord, la maintenance, c'est le plus important. Merci à tous, n'oubliez pas le petit pouce bleu, si la vidéo vous a plu, c'est toujours très plaisir, c'est la récompense. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite, c'est important. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.